Non, c'est pas moi. Oui. Ils sont là. Les gars, j'arrive, mais dans 5 minutes. Hein. C'est. La dernière commande. La dernière commande qui est arrivée à livraison. Au passage, bonjour tout le monde. Bienvenue dans J'arrive dans 5 minutes, l'émission de booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Aujourd'hui, on ouvre le carton de la dernière commande. Enfin, un des cartons, quoi. D'ailleurs. Nous, on sait ce qu'il y a. Vous savez ça. Pas. C'est parti. Ah non. Il est là. On la remontre ? Non. On les fait mariner un peu. Hein. Enfin, ok. On a plein de trucs super à vous montrer. J'attaque. Vas-y. On attaque avec Azebi, un chouette nouveau petit manga qui nous arrive à la bibliothèque. Il est sélectionné pour le prix des mordus du manga cette année. Donc voilà, on s'est dit que c'était cool de l'acheter aussi. On a les 3 premiers tomes, il sera en rayon bientôt. Continue avec les mangas. Ouais, vas-y, continue. Et avec One Punch Man, donc les 4 premiers tomes. Et c'est super drôle, c'est l'histoire de ce super héros. Lui, ses batailles, c'est pas comme dans Dragon Ball où ça s'étend pendant 20 tomes. Lui, en un coup de poing, il arrive à détruire ses ennemis. Et donc ça le frustre parce qu'il rêve de batailles épiques. Et puis en plus il tombe tout le temps sur des monstres. Il y en a un, c'est un crabe parce qu'il a mangé trop de crabes. Donc voilà, vous vous amuserez en lisant. Tu sais ce qu'on n'avait pas encore et qu'on a maintenant? Tu sais, on va en avoir, on n'en avait pas encore quand même, il était temps. Les Pokémon arrivent à la bibliothèque. Il était temps. La honte. 1 2 et 3. Ils sont gros en plus. Vous avez de quoi faire. Ils ne sont jamais en rayon. Tout le monde va vouloir les emprunter, mais ils sont là. Nous les avons enfin. Ensuite, nous avons ça. Le guide des concours 2017. Toutes nos excuses. Mais vous serez contents de les trouver pour ceux qui les passent. Bon courage. Voilà. Et voilà, il en faut et c'est super, mais... Et vous pourrez passer les concours de la ville de Paris et devenir bibliothécaire. Hey, hey. Et une fois que vous aurez bien bossé, vous pourrez lire des livres des Pokémon. Mais bien sûr. Ou des super romans genre. En même temps, c'est pas très... Samedi 14 novembre, un super nouveau roman des éditions Sarbacane. Je vous lis le résumé derrière, ça évitera que j'essaye d'en faire un qui sera forcément moins bien. Le vendredi 13 novembre, B était à une terrasse. Il a vu les tueurs tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro. Il le reconnaît, c'est l'un d'eux. Alors, sans avoir décidé de ce qu'il va faire, il le suit. Voilà, un très chouette roman à lire qui imagine une sorte de suite aux événements du 13 novembre de l'année dernière. Hâte de lire ça. Ensuite, je vais vous parler de Six of Crows, qui est un achat de dernière minute parce qu'on n'avait plus de budget, donc on a réussi quand même à le glisser comme ça dans la commande. Selon Quentin, c'est un espèce de Ocean's Eleven avec des pouvoirs magiques. Oh, ta classe quoi. Voilà. Et donc, vous avez de la chance parce que je me le suis acheté pour moi, donc je vais lire mon exemplaire et pas celui-là. Et moi, je vais peut-être lire celui-là. Ah, donc peut-être que vous ne l'aurez pas tout de suite, en fait. Mais c'est le prochain roman que je lis, donc je vous ferai probablement une vidéo, même si vous l'avez lu entre-temps. On pourra, comme ça, échanger nos impressions. Exactement. Et l'excellentissime, l'incomparable propriétaire, locataire, qui paye quoi? Vous l'attendiez, il est là. La dernière édition. Il est là. Et voilà.
le tome 3 du Chaos en marche, parce que le nôtre, il était tout abîmé, donc on l'a racheté. Et donc, je vous conseille fortement de lire cette trilogie qui est un chef-d'œuvre. Je vous ai déjà parlé dans notre session de Patrick Ness. Et ça continue. Il va en sortir un qui sort en novembre et je l'ai déjà lu depuis bien longtemps. Donc, je vous ferai un booktubing quand on réussira à l'acheter. Voilà. Ensuite. Oh, ensuite aussi. Oh. C'est pas un roman. C'est pour être un petit peu plus jeune encore que. Non, mais tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde rigole. L'unique irremplaçable. Panique au village des crottes de nez. Ouais, si, si. C'est l'histoire d'une famille de crottes de nez qui est obligée de fuir parce qu'elle est poursuivie par un doigt géant. On ne vous dit que ça. Incontournable. Suspense. Suspense, aventure. Découverte. Alors. Heureux à l'école, tout commence à la maison. Donc si vous voulez des conseils pour être heureux à l'école, voilà. Voilà. Et ouais. De plus. Bon, ben sinon. Ah oui, celui-là, il est un peu grand. Mais il est tellement beau. Le bois dormait. Le dernier, le tout récent album de Rebecca D'Autremer qui fait des tellement belles illustrations. Je vous en montre un petit peu quand même. Voilà, c'est un livre inspiré donc de l'histoire de la Belle au bois dormant, avec beaucoup de gens qui dorment. Et c'est hyper joli. Voilà, je vous en dis pas plus, faut juste le lire, c'est un petit bijou. Moi j'ai vraiment adoré l'ambiance, le dessin, le texte, tout. Il sera bientôt au rayon conte à la bibliothèque. Et bien le prochain, c'est une suggestion d'achat d'une lectrice dont je ne me souviens plus du nom, et donc ça s'appelle Spin Machine de Marie-Laure Hubert-Nasser. C'est une histoire de famille et donc ce sera en young adulte. Ça avait l'air vraiment bien, donc on vous remercie qui que vous soyez pour cette recommandation. Ensuite, un livre pour voyager, un livre pour se documenter, un livre pour découvrir, une chouette collection, un chouette documentaire sur, j'ai encore dit chouette plein de fois. J'avais dit que je ne pourrais plus, j'y arrive pas. Bref, un très beau livre sur le Japon, un pays des hommes et une culture. Voilà, c'est un super documentaire où vous apprendrez plein de trucs sur les coutumes, la géographie, l'architecture, la nourriture et tout ça au Japon. Il est vraiment beau. C'est une collection jeunesse, mais franchement, les adultes, n'hésitez pas à l'emprunter aussi parce qu'on découvre plein de trucs. Je sais parce que je l'ai chez moi pour mon fils et il est vraiment bien. Et tu vas en faire un autre parce que moi, je garde le dernier. Et ouais, mais en même temps, je crois que c'est toi qui l'as choisi, celui-là. Oui, bon, c'est pas grave, t'en fais deux à la suite. Mais c'est terrible. Ouais, ouais. Ça respecte pas tout à fait l'ordre, mais bon. Miss Marvel, qui est donc dans l'univers d'Avengers, etc., vous l'aurez deviné. Et c'est Kamala Khan, et c'est une jeune fille de confession musulmane. Donc, un petit peu de diversité dans ce monde de Marvel, donc c'est hyper bien. C'est elle qui est au dos là, parce qu'elle a l'air d'avoir un look d'enfer quand même. Elle est hyper classe. Hyper classe. Tous les jours et en super héros, donc forcément c'est elle se rend compte que c'est pas hyper facile d'être un super héros. Du coup c'est mon tour, c'est moi qui présente celui-là. essaye. Non, c'est le dernier du carton par contre. Après c'est fini. C'est le meilleur. On la remonte. Ouais, il est pour eux. Allez. Harry Potter et l'enfant maudit. Le huitième tome, il est arrivé. Nous l'avons. Oui. Enfin. On avait un peu peur. Oui, parce qu'on n'en a qu'un alors qu'on en a commandé deux. Et normalement, on en a deux autres qui devraient arriver. Donc, on a encore de l'espoir. Donc, voilà, la bataille est lancée. Vous pouvez maintenant... dès qu'il sera mis en rayon, venir vous battre pour essayer de récupérer notre tome unique. Et voilà, donc je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Harry Potter. Tu l'as déjà fait. Oui, je sais, mais je voulais encore en parler. Tu as déjà fait deux booktubing sur Harry Potter. Oui, mais... Tu as déjà vachement spoilé sur le Harry Potter. Ça suffit. Deux épisodes pleins. Si vous n'avez pas regardé, ils sont quelque part dans votre playlist, quelque part, qui s'affiche sur l'écran. Une version. Elle m'aurait laissé encore en parler. Oui, ben non. T'en parleras au lecteur directement. Vous avez des questions sur Harry Potter? Venez discuter avec Mélanie. Oui, s'il vous plaît.
J'ai plein de choses à mais vous dire. Mais faites attention parce que risque de spoil. Ouais, risque de spoil. Ouais. Et après, je peux vous garder pendant une heure et demie pour vous parler d'Harry Potter. Bref, voilà. Non, mais il va être à la bibliothèque. Par contre, bon, alors, première mauvaise nouvelle. Le carton est vide. C'est contrebalancé par le fait qu'on en a d'autres qui nous attendent dans les bureaux. Bien sûr. Deuxième mauvaise nouvelle, ce qu'on vous a présenté là, ça va pas être genre demain en rayon, parce qu'il nous faut un peu de temps pour les équiper, mettre des codes-barres, les mettre, les couvrir, les mettre dans le catalogue et tout ça. Donc vous êtes patient un petit peu, genre on va essayer de faire vite. Bah, de toute façon, Harry déjà Potter, on demande Harry Potter depuis 3 semaines. Donc en même temps, on peut attendre encore. Et quoi, dans une semaine il est en rayon? Oui, promis. Hein, promis, on est grand max. Et voilà. Je crois que chouette. Tout bon. Ouais. C'est trop bien. Ouais. C'est Noël pour nous aussi à chaque fois qu'on ouvre le carton de livraison. Et ben super. On vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Prochain ouais. épisode. Et mince, ouais. on refait la conclusion. Ou pas, c'est naturel tout Mais ça. Bien sûr. Mais attends, on va pas garder ça, genre de chanson. C'est qu'il y aura un bêtisier. Ou pas. Ou qu'on le laissera pur jus comme ça. Oui. Oui. Ah oui. Ou pas. Ou pas. Okay. Bref, on s'arrête là. On vous dit à bientôt et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.